Je ne pille pas, je déverrouille des portes. Ce n'est pas pareil. Attention. Bonjour. Messieurs. De qui profane-je la tombe? Voulez-vous que je vous laisse tranquille, ce... Voulez-vous que je vous... Mouais. Bon. Non. C'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant à écouter. Ah, mais c'est carrément des tombeaux. D'accord, chante. Oui, donc je pille, mais gentiment. C'est-à-dire, je regarde. J'estime. J'estime, et puis je me dis. Oh, oui, c'est pas mal. C'est quoi ça comme piège? Enchevêtrement. Ouais, c'est pas mal. Ouais, écoute, moi, j'aurais vu un truc un peu plus soft, voyez-vous. Ah, 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 qu'est-ce que c'est que ceci? Bonjour, monsieur. Rajoutez ma mort au tête, je la sens tout proche. Qui êtes-vous? Mais il n'y a plus rien à prendre, plus rien, je n'ai pas oublié. Island, je suis... on vous a volé quelque chose. J'ai reposé mes mains, tannées si longtemps et toujours. Mon épée est reposée à sa place, garantie de mon honneur, mais elle est partie, je la sens toute proche. Voulez-vous que je vous l'aide? Qui a volé votre épée? Un humain, un couple de cuir vêtu, l'a volé il y a si longtemps. Le misérable voleur rampé dans ma tombe, puis il s'est enfui. À quoi ressemble-t-elle? Une épée longue à cire est à l'ancien, rien de plus. Oui, très bien. Oui. Ah! Oui, je crois qu'elle est. Ton épée est dans le couloir. Je crois qu'elle est dans le couloir. Je crois que je l'ai vue dans le couloir en plus. Et c'est vrai. Quelque part. Elle est parmi le tas de cadavres. Alors attendez. Ah, voilà, épée longue. Est-ce que c'est celle-ci? Voyons voir. Épée longue. Non, c'est pas celle-là. Épée longue. Alors peut-être celle-là. À moins que ce soit celle-ci. Je ne sais pas laquelle est la vôtre, monsieur. Écoutez, j'ai trois épées longues. Peut-être que c'est l'une d'entre elles. Ah, à moins que ce soit... Non, la rondache. Alors, un bouclier, mais bien. Oh, je ne dis qu'elle a transporté un bouclier. Un mec qui a pris l'épée. Ah non, dit comme ça, je vois pas. L'épée perdue. Attends, l'épreuve elfique. Obtenez cette cape. Oui, bon, d'accord. Fuite dans la crypte. Oui, ça va être réglé. Ah, peut-être qu'il est mort. Ah, il y en a d'autres là. Ah oui, mais il y a... Ah ouais, mais il y a des ossements, mais pas... Excusez-moi, voilà, bonjour. Non, pas ici. Toi peut-être. Pas toi. Ah, peut-être là. Peut-être celui-ci. Hein, on ne sait jamais. Non, c'est avec des flèches. Oh, l'armure. Oh. Ah, attends, il y en a encore là. Non, non, mais... Non, 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 reste avec moi, reste avec moi. Ah. Non. Bon, bah, on va dire qu'il est mort et qu'il est là-bas. Ah! Ah! Bonjour! Bonjour, moi aussi, je vous aime. Ah mais voilà, moi je l'ai fait à la main. Bon attends, faut les fouiller. Hein. Un cobalt avec une chemise de maille. Ouais, mais tu vois, les cobalt ils ont vachement évolué. Hein. Ça, on est plus... De... Voilà, ils portent des armures assez épaisses. Putain, une base d'herbe. Qu'est-ce que c'est que cette connerie?
Non, mais les SFX ne vont vraiment pas là. Il y a un problème dans les SFX, écoutez, monsieur. Monsieur, bonjour. Monsieur, voulez-vous que je vous aide? Non, mais écoutez, monsieur, moi je peux vous aider à trouver un repos mérité après votre. Je pense votre longue et fastidieuse vie dans ce temple elfique, très beau temple d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser. Il y a énormément d'ossements, il y a énormément de choses, mais on me dit ne vole pas, lol. Oh, les empreintes, encore. Je ne dois pas être très loin. Peut-être dans cette pièce. Cette pièce très mystérieuse. Oh là là, je me demande où sont les kobolds. Ah là là. C'est très très compliqué. Oh non. Oui. Ah là là. Oh, il y a des rats. Oh oui. Ah, salut. Salut. Ça va? Oh, ils sont mignons. Imaginez qu'on est dans Ratatouille. Voilà, imaginez qu'on est dans Ratatouille. Dans une cuisine. Une cuisine post-moderne de l'ère elfique. Voilà, ça, je pense que ça devrait vous aider. Ah, tiens, salut. Est-ce que tu as. Oui, bonjour. Ah, merci. Merci. J'avais besoin de ton épée. Je pense que tu es mort comme une bite à cause des rats. Mais j'avais besoin de ton épée. Du coup, je vais rendre l'épée. Merci de votre participation au jeu de essayer de survivre dans un temple elfique. Et gagne. Sauf que tu as perdu. Oh, c'était pas ancestral d'ailleurs. Ah ouais, elle est un peu moche. Ah. Non, pas la porte. Ouais, il y a une crypte hantée. Est-ce votre épée? Merci pour l'XP. Oh, un coffre! Oh, un coffre! Un coffre! Avec oh, une emmelette. Oh, 20% de résistance au froid. Ah, fallait que je choisisse. Ouais, mais il y avait un caillou. Alors, il y avait un caillou aussi. Et une potion. Alors, la potion rouge, je pense que je l'avais déjà. On va dire que c'était une potion de rapidité. Bon, il n'y a plus qu'une pièce. Il y a quelque chose d'étrange ici. Une porte. Ah ouais! Oh putain, ouais! Elle était. Ah ouais, la porte secrète, mais. Secrète! Ah ouais, gros. Ah ouais, c'est carré. Ganos, tu. Ganos, arrête de jouer avec la porte. Arrête de jouer avec la porte. Ah ouais, mais on est. Ouais, ouh là là, oui. Ah oui, on est quand même dans. Non, mais ouais. Alors, attendez, un coffre. Je vais en prendre deux. Alors, fais-moi voir ce home. Bon, bah, on va voir. Je suis un masque gaz elfique. C'est ultra confortable, n'est-ce pas? En général, c'est un peu moche, on dirait un petit peu que c'est un bec, mais c'est pas mal. Voilà. Donc vous le saurez, les elfes sont précurseurs des masques à gaz. Moi j'ai envie de dire, on est quand même sur de la révélation au level. D'ailleurs de. Ah putain, mais du coup je vais plus voir ta gueule. Oh, je vais plus voir ta gueule. Attends. Voilà,
Écoute, tu vas porter ton premier home. Voilà. Avoue, on est super swag. On va réactiver le piège maintenant. On va dire qu'on l'a réactivé. Vous auriez pu faire un couloir quand même, parce que là c'est... Oh, téléportation. On est quand même super swag avec ça. Alors, qui toi être, Rognol? Toi venir mourir? Réussite. Bonjour, je cherche la plaque. La plaque. Il y a une plaque. Bonjour, 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 bonjour. Mais attendez, faut que je trouve la plaque. Il y a une plaque. Écoutez, messieurs, il y a une plaque quelque part ici. Non, pas ici. Merde. J'étais sûr qu'il y avait une plaque. Bon bah. Y'a pas de plaque. Ah, toi, je vais juste garder. Voilà. Ah, salut, la main momifiée. Merci beaucoup. Je m'en étais absolument pas douté, hein. Paf. Monsieur, s'il vous plaît. Ne résistez pas. Bon, Xanos, par contre, tu... Ah, il est hyper. Ah, mais il y en a plein. Voilà, mais il y en a plein. Alors, le piège, il marche absolument pas. Voilà. Je crois que c'est bon là, tout le monde. Personne à droite, personne à gauche. Non, c'est bon. Bon, bah. Moi, j'ai envie de vous dire, dans ce qu'on a fait, l'enclave de test, c'est bon. La région d'araignée, c'est bon. L'épée perdue, c'est bon. La fuite dans la crypte. On est ok. Et puis, on a la main momifiée. On a la main momifiée que je vais en offrir à Ayla. Ou alors on va la rendre direct. Oh, qu'est-ce que c'est que ceci? Un marteau de guerre non identifié. Mon sac est trop lourd. J'ai du mal à le porter. Ouais, bon, toi, il y a un corps. Pardon? Oh, il était caché. Tu n'es pas encore, mais tu es mort. Bonjour. Voilà. Voir le marteau, gros martal, marteau du glace. Ouh, oui, ça fait mal. Il y a du bordel à vendre. Il y a du bordel à vendre. Bon, voilà. Donc, ah oui, salut. Moi, j'étais chaud pour te laisser vivre. Écoute, hein. Alors, on m'avait dit qu'il y avait un piège. Je suis pas sûr de l'avoir trouvé. M'aurait-on menti? Ce serait quand même un peu ballot. Mais bon, voilà. Bon, bah. Ok. Je crois qu'on a fini avec cet endroit. Parfait. Et ben, ouais. Moi, je comprends pas le délire du piège, par contre. Hein. Tiens à vous le dire. Mais du coup, je suis super swag avec mon masque. Je vais quand même remettre le mien.
Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bah, récupérer l'objet qui est au-dessus. On va faire une prière pour se soigner. Oui, on va quand même faire une prière pour se soigner. Là. Donc, j'utilise la clé. Oui, alors. Bonjour. Wow. Là, oui. Résistance aux dégâts contondants, résistance de 5%. Oui. Je suis désolé. Vraiment, mais il ne va pas me servir. Bon, on va utiliser une téléportation. Bonjour, j'ai maïs. Ah oui, d'accord. Sans moi, bonjour. Comment ça marche cette merde? Oh. Ah. Ah oui. Faut que je sorte. Oui, bonjour. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon. Oh, oui. Ok, blanche. D'accord, blanche. D'accord. Blanche. Noir. Blanche. C'est quoi ce... D'accord, ok. Bon, il y a un chemin, il y a un chemin. Blanc. Noir. Blanc, ok. Blanc. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, blanc, noir, blanc. Laisse-moi réfléchir. Donc, blanc, noir, blanc, noir. Donc là, il y a un L. Noir, blanc, sorti. Ouais, non, mais lui, il va pas s'en sortir, il va mourir. Lui, il va clairement mourir, hein. Il faut juste que je sorte très vite. C'était ça l'épreuve? Non, mais oh, avance! Avant qu'il meure. Merci. Là, normalement, par la magie de la TP, il va réapparaître. Oui. Ah bah, attends. Ah, merci. Ah, putain. Ah bah, moi, il ne disparaît pas, donc du coup... Je vais essayer de prendre le secours. Merci. Il est con ce personnage quand même. Donc c'était quoi en fait l'énigme? J'ai pas bien compris. Ah d'accord, en fait je venais et je devais mémoriser un chemin. Très bien. Donc là.
Bon, très bien, donc ça c'est de la merde. Donc ensuite la main sur moi. Je me téléporte en utilisant un cristal. Jusqu'à ça va. Messieurs, bonjour, Ayala. Avez-vous des nouvelles des artefacts? J'ai la main. Excellent. D'ailleurs, attends. Excuse-moi, la main, fais voir à quoi elle ressemble. Pouvoir unique sur soi, uniquement utilisation limitée. Ah oui, c'est la main de la liche. Ah, d'accord. Bonjour. Bah, je la garde. D'accord. Non, rien pour le moment. Ouais, du soin. Oh, tu m'énerves. Ok. Oh, sérieux? Vas-y. Oh, mais c'est pété. Oh la vache, j'ai absolument pas perdu mon temps, j'ai même rentabilisé. C'est quoi? La main. Oh, ah, vilaine main. Donc ouais, la main va être un problème, je pense. C'est bien parce que il me... En plus, en fonction, ça doit être en fonction des choix. Il y a un truc en plus, c'est que vu que j'ai gardé la main, elle va me faire chier. J'ai envie de me faire... Alors, j'ai envie qu'on s'arrête là. Mais, j'ai envie d'essayer un truc débile. Je vais essayer un truc débile. Je vais l'utiliser. Ah, c'est trop bien! Ah, c'est un dragon radar! Ah, mais c'est magique! Ah, c'est tellement bien! Alors, cependant, je vais m'arrêter là pour cette petite session, pour le moment. Je vais continuer à tourner juste après, mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette petite session en ma compagnie sur Shadows of Undread Tide. Premier artefact récupéré au bout de 2 heures. C'est acceptable. En papillonnant un petit peu. Si l'aventure vous plaît, je vous invite à mettre un pouce en l'air. À la commenter si vous avez des strats sur cette extension. Si vous voulez me conseiller un équipement ou si vous avez des informations sur la map. Ou sur le jeu en général. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et me suivre sur le Twitter où j'annonce plein de choses assez incroyables comme des fois ce que je fais et ce que je prévois. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine sur Neverwinter Nights Shadows of Undertide.